Bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information sur Morida TV. Première édition de la grande soirée des enchères actuarielles, Wilfried Couton impacte avec deux produits innovants pour l'inclusion financière. Plus de précisions sur cet événement dans ce journal. Les acteurs de l'éducation se sont retrouvés au ministère des enseignements maternels et primaires pour procéder à la validation du document stratégique national de l'enseignement secondaire général après plusieurs mois de réflexion et de travaux. C'est dans le but de rendre plus performant le système éducatif béninois. Et puis, mise en œuvre du projet d'appui et d'accompagnement des jeunes de Porte-Novo à l'entrepreneuriat agricole par le conseil municipal. L'activité s'est déroulée sur le leadership éclairé du maire Charlemagne Liancoti le jeudi 16 novembre 2023. On en parle dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de préférer Morida TV pour vous informer. À l'issue des 4 jours du séminaire de formation organisé sur la contribution de l'assurance décès à l'inclusion financière par Wilfried Couton, directeur général du cabinet Soft Consulting, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, il s'est tenu dans la soirée du vendredi 10 novembre 2023 à Nouveautel Hôtel, la première édition de la grande soirée des enchères actuarielles avec 2 produits innovants mis aux enchères. Les détails dans ce reportage. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre 2023, s'est déroulé au Champ d'oiseaux de Cotonou un séminaire de formation sur la contribution de l'assurance décès à l'inclusion financière en Afrique, organisé par le cabinet Soft Consulting que dirige Wilfried Couton. Ce séminaire, qui a permis aux participants d'être imprégnés des méthodes adéquates pour joindre l'actuariat à l'inclusion financière, a été sanctionné par la remise des attestations ce vendredi 10 novembre. Ce séminaire a comblé totalement toutes mes attentes et je suis très content d'avoir participé à cette première. Tout s'est bien déroulé, que ce soit les présentations, que ce soit la qualité de ceux qui ont fait les présentations. Je pense que c'est vraiment une première, mais vraiment une édition vraiment qui entre déjà dans le panthéon de l'histoire. Que cet événement soit réédité l'année prochaine et que vraiment qu'il y ait encore plus de bonnes choses afin que l'actuariat soit un peu connu partout en Afrique. Comme moi, déjà, je leur demande de mettre en pratique déjà tout ce qu'on s'est dit à cette formation et de se sensibiliser vraiment sur ce thème-là. Ils se sont ensuite retrouvés dans la soirée à Nouveautel Hôtel pour la première édition de la grande soirée des enchères actuarielles. Les enchères actuarielles sont des solutions innovantes pour promouvoir l'inclusion financière dont l'objectif principal est non seulement d'impacter tout le secteur informel, surtout le secteur informel, mais aussi de pouvoir se protéger en cas de sinistre. La majorité de la population béninoise a besoin donc d'une assurance inclusive pour faire face aux risques quotidiens, donc écouter-les et considérer-les en leur offrant des produits tenant compte de leur capacité à payer. La grande soirée des enchères actuarielles vise à établir un pont étroit entre les besoins réels des populations africaines et leurs produits à leur proposer par le biais des compagnies d'assurance ou autres structures financières. Elle s'assigne aussi comme objectif clé une bonne contribution à l'inclusion financière en Afrique, tout en mettant un sacré sens d'honneur sur l'encouragement des innovateurs et des concepteurs des solutions. Ainsi, nous assisterons ce jour à la vente aux enchères de 2 produits innovants sélectionnés par un jury international après un appel à soumission internationale de projets. Il s'agit des solutions innovantes Assurance Azoyon et Assurance Locative Progénitu Plus. 2 produits innovants présentés à l'assistance. L'assurance Azoyon est destinée aux déscolarisés et leur permettant de bénéficier, de constituer à petit coût
et sur 3 ans, et les frais de formation, et peu importe les secteurs d'activité. Et ceci offre aussi la possibilité de tirage au sort. Et donc, quand tu es tiré, tu pars avec un capital qui est destiné aussi à alimenter non seulement tes frais de formation, mais te donne droit à un kit qui te permettra de bénéficier des outils nécessaires pour appliquer les connaissances que tu as reçues de la formation. Il faut ajouter aussi que ça te donne un capital substantiel et te permettant à la fin de la formation de pouvoir quand même ouvrir un petit centre en payant les quelques mois de loyer comme avance. Nous avions le produit assurance locative Progenitus Plus qui est destiné à sécuriser les investisseurs immobiliers en premier point en garantissant 1 an ou 2 ans ou 3 ans de loyer aux propriétaires en cas de survenance d'événements malheureux. Et ce produit offre autre avantage à la famille en les accompagnant au double du capital payé aux propriétaires. Généralement, dans les contrats classiques d'essai que nous avions, à la fin du contrat, la prime est comme perdue, ce qui n'est pas toujours aimé par la population. Donc, dans cette logique, pour corriger cette problématique, il a été question de faire une modélisation dans le sens où, en cas de suivi de souscripteur qui est le locataire, peut-être à la fin du contrat, il bénéficie de divers bons, des bons d'achat dans les pharmacies, des bons d'achat dans les supermarchés, bons de consultation médicale, de bons de visite touristique, de bons d'achat d'essence et plein d'autres bons. Et comme surprise, nous pouvions déjà dire, et lorsque tu adhères à cette solution, tu as la possibilité de gagner 3 mois de loyer gratuit. Cette soirée s'avère être également une opportunité pour soutenir les concepteurs et permettre une adhésion de la population aux investissements. Je vous en félicite pour cette initiative. Vous savez, quand on fait les mathématiques, l'objectif, c'est de pouvoir les appliquer également dans la vie courante que nous menons. Donc, chers actuaires, vous les avez appliqués dans le domaine de l'assurance. Les autres, les uns et les autres, à aller vers les produits d'assurance, il y a des innovations également. Pour ce qui concerne le digital, ça permet aux uns aux autres de pouvoir accéder facilement aux produits, aux nouveaux produits de l'assurance. Les 2 chefs-d'œuvre ont ensuite été mis aux enchères. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons mettre à prix ces chefs-d'œuvre? Cette réflexion intellectuelle, je pense que non. Malheureusement, il faut quand même mettre à prix. Le premier produit innovant, l'assurance Azoyon, a finalement été acquis à 2 millions de francs CFA et le second produit, à savoir l'assurance locative Progenitus Plus, a été acquis à 1 500 000 francs CFA. Une occasion pour le promoteur de l'événement de saluer tous ses partenaires. Il faut d'abord les remercier pour ce grand effort qu'elles ont déployé dans ce sens. Je peux citer Africaine des Assurances Vie, Africaine Vie Bénin, à travers le DG M. Hervé Chapin. Je peux citer Atlantique Assurance Bénin Vie, à travers la directrice générale et Mme Corinne Benou. Et aussi les autres structures comme Sono Assurance Bénévie, comme un sponsor officiel d'ailleurs, qui ont beaucoup soutenu l'événement. Nous avions 2 côtés, et le côté d'ailleurs, qui est un côté panafricain. Et là, il faut remercier sincèrement Madame Eyan Deborah, la directrice générale et cofondatrice de cette structure. Et nous remercions aussi le directeur général de Johnson Insurance, et M. Yesufu Latifou, et sans oublier les autres, Mme Rokayat Kandji, et la directrice générale de IFA Sénégal, et M. Isaac, le directeur général de United Actuarial and Consulting,
Ils sont nombreux. Alors Dayo, c'est une entreprise panafricaine spécialisée dans le courtage en assurance. Et Dayo signifie en langue Yoruba « la joie arrive » et en langue somali, qui est une langue parlée en Afrique de l'Est, « allons-y ». Alors nous intervenons pour les entreprises, bien sûr, dans la gestion et l'optimisation de leurs risques et aussi pour les particuliers. Justement, c'est tout naturellement que nous sommes associés à l'événement initié par l'entreprise Soft Consulting, parce que l'inclusion financière nous tient à cœur et nous croyons vraiment que l'assurance, notamment l'assurance décès, a une contribution à jouer dans cette inclusion financière en Afrique. Quand vous avez un courtier en assurance à côté de vous, vous avez des meilleurs tarifs en termes d'assurance, des meilleures primes, vous avez les meilleures garanties et en cas de sinistre, vos sinistres sont réglés correctement et rapidement. Cette première édition de la grande soirée des enchères actuarielles aura marqué l'esprit de tous les participants et a pris fin par la dégustation des mets sous des notes musicales, culturelles et artistiques. En vue d'améliorer les performances du système éducatif, le document stratégique national de l'enseignement secondaire général a été élaboré et présenté aux divers acteurs de l'éducation le mardi 14 novembre 2023 au ministère des enseignements maternels et primaires. C'était à l'occasion d'un atelier de validation qui a suivi plusieurs mois de travaux du comité local de l'éducation. Mori TV a pris part à l'ouverture officielle des activités qui a eu lieu en présence du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Chabi. Suivez le compte-rendu. La stratégie nationale de l'enseignement secondaire général, élaborée à travers un document, est désormais disponible. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier de validation de ce bréviaire qui servira de boussole au développement de l'enseignement secondaire général. La séance de travail a réuni les représentants des ministères des trois ordres de l'enseignement, les partenaires techniques et financiers et autres acteurs clés de la communauté éducative. C'est sous la direction du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Chabi, représentant le ministre Salimane Karimou, chef de file des ministères en charge de l'éducation absent du territoire national. Mesdames et messieurs, pour relever le défi d'un système éducatif en harmonie avec les ambitions de développement du pays, le Bénin s'est doté, entre autres documents, de la lettre de politique éducative et de son plan sectoriel qui fixe la nouvelle architecture de l'éducation nationale et pose les bases de la professionnalisation du système éducatif conformément aux ODD. Par ailleurs, le programme d'action 2021-2026 du gouvernement prévoit en son pilier 2 de poursuivre la transformation structurelle de l'économie à travers, entre autres, la promotion d'une éducation de qualité de l'UFTP, ce qui nécessite un arrimage entre les offres de formation et les besoins socio-économiques réels. C'est dans ce contexte que la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dont la mise en œuvre est actuellement en cours a été élaborée et adoptée par le gouvernement. Ainsi, l'ambition de la stratégie nationale de l'UFTP d'inverser les tendances des flux des apprenants dans les systèmes scolaires et universitaires est l'option faite d'étendre l'éducation de base en classe de terminale pour rehausser le niveau de culture générale des apprenants accédant à l'UFTP engendre des implications au niveau de l'ESG, notamment sur le cursus scolaire, les cycles et les séries de formation, d'où la nécessité d'établir une profonde articulation entre les différentes réformes dans le système éducatif du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est conscient de cet impératif que le gouvernement a pris la décision de doter l'ESG d'une stratégie afin de répondre aux défis actuels et futurs à relever pour disposer d'un capital humain capable de soutenir le développement durable et inclusif du pays. Chers membres du groupe local éducation, la stratégie soumise à votre appréciation vise à, je cite, permettre à tout apprenant de disposer des savoirs
aptitudes et attitudes en termes de prérequis indispensables pour lui permettre de poursuivre ses études ou de s'engager dans une formation professionnelle avec des chances optimales de réussir. Fin de citation. Elle est structurée autour de trois objectifs stratégiques, à savoir assurer l'accès et le maintien de tous les apprenants à l'ESG, garantir un enseignement de qualité adapté aux réalités socio-économiques du pays, assurer une gestion efficace et efficiente du sous-secteur de l'ESG. La mise en œuvre du projet de la stratégie nationale de l'enseignement secondaire général est à sa phase d'approbation par le groupe local d'éducation. Ce nouveau document prend en compte plusieurs réformes qui permettront de résoudre considérablement les difficultés qui minent le secteur de l'éducation. Les défis à relever dans le secteur de l'éducation sont énormes. À travers la stratégie de l'enseignement secondaire général, nous nous sommes engagés à relever quelques-uns notamment. Amélioration du taux d'accès et de rétention des apprenants, en particulier chez les filles à l'enseignement secondaire général. Renversement des tendances baissières constatées par rapport à la désaffection des apprenants vis-à-vis des séries scientifiques et certaines séries littéraires. Amélioration du niveau d'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les établissements conventionnels. Arrimage des offres de formation avec l'évolution des besoins socio-culturels et économiques du pays. Relèvement du niveau de construction des connaissances et de développement des compétences par les apprenants. Amélioration du coefficient d'efficacité interne de l'enseignement secondaire général. Mise en place d'une coordination efficiente, participative, sans influence pour la meilleure gestion de l'enseignement secondaire général. Arrimage du dispositif législatif et réglementaire de l'enseignement secondaire général et de l'alphabétisation au plan sectoriel de l'éducation 2018-2030 et à la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, etc. Ce projet ambitieux de refonte de l'ESG a également tout le soutien des partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, en tant que partenaire technique et financier, nous reconnaissons l'importance de soutenir les initiatives qui visent à renforcer le système éducatif et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment le numéro 2 relatif à une éducation de qualité. Nous sommes ici présents aux côtés du gouvernement, justement, pour soutenir la vision et contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de cette stratégie. Plusieurs réflexions et débats ont été menés entre les participants à cette activité qui servira de poser les bases d'un enseignement secondaire nouveau à travers lequel les apprenants béninois développeront des compétences pouvant leur permettre de s'adapter à tous les défis. Après la phase de sélection des jeunes entrepreneurs agricoles dans le cadre du projet dénommé « Appui et accompagnement des jeunes de Porte-Novo à l'entrepreneuriat agricole », la phase de formation de ce projet mise en œuvre par le conseil municipal en collaboration avec le programme Participe Odel, l'ONG RAI et le Centre Songhaï a été lancée ce jeudi 16 novembre 2023 au Centre Songhaï de Porte-Novo par le maire Chalmain Yankoti. Les précisions dans ce reportage. Des jeunes entrepreneurs agricoles sélectionnés par la mairie de Porte-Novo dans le cadre du projet Appui et accompagnement des jeunes entrepreneurs pour la valorisation des bas-fonds de la ville sont entrés dans la phase de formation au centre Songhaï de Porte-Novo. Porteuse d'espoir et de promesses, cette initiative qui émane du conseil municipal sous le leadership du maire Chalmain Yankoti a été soutenue par le programme de participation au développement économique local, en abrégé Participe-Odel, l'ONG RAI et le Centre Songhaï. Et la rentrée de la session de formation a officiellement été lancée ce jeudi 16 novembre 2023. L'ambition du conseil municipal est de susciter, à travers ce projet de création des centres Songhaï BIS par des jeunes hommes et femmes de la ville de Porte-Novo,
afin de promouvoir l'économie locale. Ainsi, les entreprises qui seraient créées par ces jeunes contribueront-elles à la réduction du taux de chômage et à la création de la richesse? Pour y parvenir, nous avons sollicité et obtenu le partenariat d'une structure technique et professionnelle dont le label n'est plus à démontrer, je veux nommer le Centre Songhaï. Par ce partenaire, nous envisageons améliorer de façon durable la productivité à travers la formation des jeunes producteurs pour les chaînes de valeur ajoutée appropriées. Accompagner la valorisation des bas-fonds à travers la formation des jeunes producteurs selon les activités adaptées. Renforcer la capacité des jeunes et des producteurs pour une meilleure valorisation des plantes aquatiques et autres matières organiques de produits résiduels. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Ensemble, nous ouvrons un chapitre nouveau et stimulant pour nos jeunes et pour notre commune. Nous nous engageons à faire de chaque étape de ce projet un succès collectif à long terme, en veillant à ce que les futurs entrepreneurs agricoles aient toutes les chances de prospérer et d'atteindre leur plein potentiel. Ce projet, mes frères et sœurs, que nous entamons aujourd'hui, l'argent est important, mais ce n'est pas du tout le plus important. La terre est importante, bien que Porto Novo est doté de capital environnemental extraordinaire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous, c'est moi, mais surtout les jeunes. Les jeunes. Mais pas n'importe quel jeune, pas n'importe quel partenaire. C'est les partenaires et les jeunes qui sont totalement transformés, qui sont totalement équipés pour faire face à ce défi d'une manière efficace. C'est ça le projet. Créer de nouvelles ressources humaines, c'est les jeunes. Parce que la voie de sortie, c'est une masse critique des jeunes totalement déconstruite et reconstruite. Former chaque fois, tout le temps, une masse critique des jeunes équipés différemment. Nouvelle tête, nouveaux bras, nouveau corps. C'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est ça le cœur du projet, monsieur le maire. Aujourd'hui, vous devrez être fier, monsieur le maire, que vous avez réussi à entamer ce projet extrêmement important qui serait la fierté les autres communes du Bénin et de l'Afrique. Les modules sont conçus de manière à ce qu'au bout de 12 semaines, nos jeunes apprenants que vous êtes puissent développer des expertises dans les métiers de la transformation agroalimentaire, de la restauration, de la production végétale, de l'élevage, de la pisciculture, du maraîchage, de la production de bananes et la riziculture. À la fin de la formation en cours actuellement au Centre Songhaï, une mise en réseau sera activée. Elle permettra premièrement de faciliter la structuration organisationnelle et la mise en réseau des jeunes formés avec les OPA et réseaux agricoles existants sur le territoire de la ville de Porto Novo. Deuxièmement, de mettre en place un système de coaching des jeunes formés pour faciliter le processus de leur installation planifiée par la ville de Porto Novo, avec le concours, bien sûr, de la première autorité. Je veux parler de M. le maire. À ces jeunes mis en formation et pionniers bénéficiaires de cet ambitieux projet qui les rendra indépendants et autonomes, le maire Chalmain Yankoti adresse. Recevez toutes mes félicitations et surtout mon admiration pour votre courage à être les pionniers bénéficiaires de ce projet. Soyez donc assidus, ingénieux, ambitieux, innovateurs pour l'atteinte de nos objectifs et surtout pour la réussite de ce projet qui nous est si tant cher. Le directeur du Centre Songhaï a accepté qu'à la fin de votre formation, on va continuer à vous suivre pour que ce que vous allez produire rentre dans le label du Songhaï. C'est important. Je voudrais vous féliciter, vous jeunes qui avez fait cette option. Vous aurez le temps de comprendre que vous avez fait le meilleur choix. Parce qu'il faut
un homme transformé aujourd'hui pour faire face aux défis qui nous attendent. Ces jeunes ont ensuite reçu des kits de travail. Place fut ensuite faite à la visite guidée des différents compartiments du centre Songhai et les modules de formation clôturés par une photo de famille. Eh bien, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de Morida TV.